CE2. C'est l'un des espoirs, on ne s'en cache pas. Nicolas Schatz. Nicolas Schatz, qui s'en va venir le sujet, et le plus de Paris en libéré. Je fais un gros parce que c'est pas grave, c'est à la lettre en tout cas. Postmétier vient de la même région que le producteur de bouillie là-bas. Non mais il va finir par un truc parrain que la famille Schatz, ils vont acheter quelque chose à Saint-Jean-du-Gard, parce qu'ils viennent aux appareils Ligan, avec les meilleurs jeunes, ça va Nicolas Schatz, c'est pas grave. Je me suis bien, hein. C'est un homme du pays. Il a manqué de peu pour ne pas faire le record. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de bon désir, en tout cas, il nous a fait un nouveau spectacle. Notre champion de France en titre, Lionel Leguer. Nous avons aussi par recevoir un jeune sommaire. Qui est le sommaire? Le sommaire, vous voulez pas? Vous préférez que ce soit Laurie? Merci à vous d'être venu. Un superbe coup de l'année. Alors messieurs, Lionel a tout signé tout à l'heure. Ça va, bonne journée. Ah, ça va, journée. Hein. Je pense que Laurie doit être content, tout le monde est content. Il y a eu un super spectacle, une belle journée. On a pris énormément de plaisir sur la piste. Ils ont encore rajouté, il faut noter aussi ces petites choses, les quelques rails qui ont été rallongés, doublés, et tout ça, quelques années d'année en année, ils sécurisaient pas trop, et ça, c'est très très bien. Avec le troisième, Alain Castel, le deuxième, Mordevoix, le vainqueur de la régale. Voilà, prochain rendez-vous pour certains d'entre vous. La semaine prochaine, à Brèche-Villers, c'est plus loin pour certains.